Quelqu'un peut m'aider à dire Amen ce soir? Amen. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Depuis hier, nous avons commencé cet enseignement. Quatre demandes pour changer sa destinée. Et nous étions en train d'expliquer le rassemblement qui nous unit ce soir. Nous avons reçu une invitation de la part de Dieu. Et c'est ce rassemblement que nous avons appelé montagne de prière. Et nous avons dit qu'il nous arrivera de temps en temps d'organiser des rassemblements comme ça sur la montagne pour invoquer Dieu. Et pour cette première édition, le thème que nous allons exploiter, du reste nous n'avons pas encore commencé à l'exploiter, c'est les quatre demandes qui changent une destinée. Mais avant d'entrer dedans, nous étions en train de voir ce que représente la montagne. Pourquoi la montagne? Et nous avons vu que il y a tout un symbolisme derrière la montagne dans la Bible. Et hier, nous avons dit que la montagne pouvait symboliser un obstacle ou une adversité. Et nous avons dit que la grâce que nous avons, c'est de connaître la montagne de Dieu. Parce que le prophète Esaïe nous a révélé une chose puissante. Le prophète Esaïe dit ceci: il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de Dieu soit élevée au-dessus des sommets de montagnes et des collines. Et voici ce que Dieu nous a révélé: quand les montagnes des obstacles, des adversité se lève au devant de nous, nous avons un endroit de refuge. Nous pouvions courir à la sainte montagne de Dieu. Et une fois sur cette montagne, de la même manière que la montagne de Dieu se lève au-dessus de sommets de montagnes et de collines, sur la sainte montagne de Dieu, il nous amène au-dessus des obstacles et des adversités. Plus aucun obstacle ne nous fait peur aussi longtemps que nous connaissons l'adresse de la montagne de Dieu. Aucune adversité ne peut nous impressionner si nous connaissons la montagne de Dieu. Et c'est ainsi que Zacharie prophétise en disant: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Deuxièmement, nous avons dit ceci: la montagne symbolisait aussi des territoires ou des héritages à conquérir. Et nous sommes partis du texte de Caleb quand il demande qu'on lui donne la montagne qui lui avait été promise. Il dit: donnez-moi cette montagne, je veux posséder mon héritage. L'heure est arrivée où les peuples de Dieu doivent entrer en possession de ce que Dieu leur a destiné. Et troisièmement, nous avons dit ceci: le troisième symbolisme qu'il y a derrière l'image de la montagne, c'est que la montagne représentait ce lieu de retrait. Ces lieux de solitude, ces lieux d'isolement, ces lieux secrets où on rencontre Dieu. Là on est seul à seul avec lui. Ces lieux où on se connecte avec Dieu, ces lieux où nos vies sont changées, ces lieux où nos vies sont impactées, c'est lieu où nous ne sommes plus pareils. Le lieu secret. Et nous sommes encouragés à avoir des lieux secrets avec Dieu.
où tu te retires de tout le monde. Tu vas à la rencontre de Dieu. Et ce soir, j'aimerais nous parler d'un deuxième point, toujours par rapport à la montagne. Quand nous montons à la montagne de Dieu, quand nous nous retirons pour vaquer à la prière et la recherche de Dieu, il y a ce que l'homme doit faire que Dieu ne peut pas faire. Oui, au sommet de la montagne, il y a des choses que nous sommes appelés à faire que Dieu ne fera pas à notre place. Et il y a des choses que Dieu va faire que l'homme ne peut pas faire. Oui. Dans l'œuvre de Dieu, cher bien-aimé, qu'il accomplit pour l'homme. Écoutez-moi, Dieu ne fera jamais tout pour l'homme. Dieu n'accomplira jamais tout pour l'homme. Dans ses plans et dans ses desseins pour ta vie. Le Seigneur ne fera pas toutes choses pour toi. Il s'arrangera toujours pour qu'il y ait une portion qui relèvera de ta responsabilité. Même s'il fait la plus grande part, il gardera toujours un coin pour toi. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois accomplir que Dieu ne fera pas pour toi. Je me suis demandé pourquoi le Seigneur permet ça. Pourquoi Dieu veut que ça soit comme ça? Oui. Parce que dans le cœur de Dieu, il veut nous associer dans ce qu'il fait. Bien plus, Dieu veut nous impliquer dans son œuvre, même par rapport à nous-mêmes. Dieu veut que tu t'impliques, que tu t'y engages. Non. Avec Dieu, on ne croise pas les bras attendant qu'il accomplisse toute chose. La paresse n'a pas de place dans la maison de Dieu. La léthargie n'a pas de place dans la maison de Dieu. Le sommeil n'a pas de place dans la maison de Dieu. Dans Proverbe 24, le sage dit, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, et la disette te surprendra comme un rodeur. Dieu nous appelle à nous réveiller et à faire la part qui nous est due. Et hier nous l'avons dit, il y a des gens qui ont des promesses de la part de Dieu, mais ils ont croisé les bras attendant que les promesses s'accomplissent. Non mon frère, non ma soeur, Dieu n'accomplit pas les promesses de ta vie sans toi. Dieu veut t'impliquer. Et hier nous l'avons dit, nous l'avons vu. Dieu dit à Élie, je veux faire tomber de la pluie. Mais Élie est quand même monté à la montagne de Dieu pour implorer la main de Dieu, l'action de Dieu pour que la pluie tombe. Il aurait pu se dire, Dieu a déjà dit, je vais attendre. Non. Et nous l'avions dit hier, les promesses de Dieu sont pour nous des raisons de monter à la montagne. Les prophéties que tu as reçues, les messages que tu as reçus, la vision que tu as reçue, ce n'était pas juste pour te faire, pour te plaire, pour te réjouir. Dieu était en train de te donner des raisons
Dieu était en train de te donner des fondements, des socles sur lesquels tu pouvais baser tes prières. Hier, nous avons dit ceci. Dieu n'exauce pas une prière qui n'est pas conforme à sa volonté. Plusieurs perdent de temps, de l'énergie à prier pour des choses que Dieu n'a pas prévues pour eux. Dieu n'agira pas aussi longtemps que ce n'est pas dans son programme pour sa destinée. Et pour nous faire gagner du temps, pour nous donner beaucoup plus d'efficacité spirituelle dans nos prières, Dieu vient se révéler à nous par ses promesses, par des messages que nous recevons, par des rêves que nous recevons, par des paroles de connaissance, des visions que nous recevons. Voilà ce que tu seras. Voilà ce que je ferai de toi. Pourquoi? Il te donne des fuites. Il t'ouvre son cœur. Regarde ce que je désire pour toi. Regarde ce que je prévois pour toi. Maintenant prie pour que ces choses s'accomplissent. Voilà pourquoi Dieu nous a appelé dans cette semaine à monter sur la montagne afin de secouer son trône. Père, accomplis ce que tu m'as dit. Si tu ne le fais pas, tes promesses, on va les enterrer avec toi. Pasteur Olivier, quelqu'un a dit, promesse elaka et polakate, mensonge. La promesse ne pourrit jamais, lokuta. Ta promesse peut être enterrée avec toi. Elaka na yo et kokunda mapé na yo elongo. Je vous ai raconté ce témoignage. Na bete la bino lita tolio yo. Il y a plusieurs années en arrière, peut-être 5 ou 6 ans ou 7 ans même. Ici même, j'avais béni un mariage, j'avais béni un couple. Quelques mois plus tard, le mari meurt. Et la femme, la veuve, vient me voir au bureau. Il me dit, Pasteur Ken, qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari avait des promesses de la part de Dieu. Dieu lui avait dit si, Dieu lui avait dit ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on peut mourir malgré les promesses et ne pas les voir s'accomplir. Parce que Dieu, dans sa manière de faire, même s'il fait la grande partie, il nous laisse toujours notre part. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il faut nous impliquer dans l'œuvre. Il faut nous responsabiliser. Voilà pourquoi au sommet de la montagne, il y a des choses que Dieu va faire. Mais il y a des choses que toi tu dois faire. Alors puisque Dieu nous a convoqués dans cette semaine sur la montagne de prière, il est bon avant d'aller plus loin que l'on sache ce que nous devons faire, ce que Dieu attend de nous. Premièrement, notez ceci. Au sommet de la montagne, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu focalises toute ton attention sur lui et sur lui seul. Que tu fasses de lui le centre de ton attraction. Que tu fasses de lui l'objet de ton attention. Que tu fasses de lui le sujet de ton adoration. Frère, à la montagne de Dieu, la première chose, on ne vient pas pour des requêtes. On ne vient pas demander. Quand on monte dans la présence de Dieu, on s'incline, on se prostère, on lui rend hommage, on jette nos couronnes. Nous oublions nos titres. Nous oublions nous-mêmes. Nous nous couchons par terre. Nous lui rendons l'honneur qui lui est dû. Nous élevons son nom. Nous le magnifions. Nous passons notre temps à élever le
nom de Dieu et à disparaître nous-mêmes, à diminuer nous-mêmes. C'est pour ça que quand Abraham monte sur la montagne, dans Genèse 22:5, il dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Dieu cherche de cœurs qui adorent. Dieu cherche de cœurs sincères, de cœurs vrais. Arrêtons de faire de cinéma dans la présence de Dieu. Arrêtons de dire des choses qui ne veulent rien dire devant Dieu. Le Seigneur, bien plus que ce qui sort de nos lèvres, Dieu voit ce qu'il y a au-dedans de nos cœurs. Il dit, ce peuple m'adore, m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont l'adorer avec leur cœur. Avant qu'ils ne s'inclinent, leur cœur s'incline devant de Dieu. L'extérieur ne vient que rencontrer une réalité profonde intérieure. Avant que je me prosterne, mon âme s'est prosternée, mon cœur s'est prosterné. Et alors mon corps suit mon cœur. Il nous arrive de nous prosterner physiquement, mais le cœur tourne le dos bien debout devant la face de Dieu. À la montagne de Dieu, on lui donne sa place. On s'oublie soi-même. On oublie ses tracas. On oublie les tourments de la vie. On adore Dieu. C'est ainsi que la femme samaritaine dit à Jésus, dans Jacques 4:20, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Parce qu'à la montagne, on adore Dieu. Je prie que cette semaine soit une semaine d'adoration, mais que nous puissions l'adorer avec nos cœurs, que nous puissions être vrais. Nous puissions être vrais. À la montagne, nous venons nous prosterner, nous incliner devant son trône. Jeter nos couronnes à ses pieds. Disparaître, oubliant nos titres. Oubliant nos diplômes. Oublions nos comptes en banque. Oublions nos positions dans la société. Nous regardons nous-mêmes comme étant rien du tout. Et lui comme étant tout en tout. Nous venons lui déclarer notre amour. Nous venons le célébrer. Deuxième chose que l'homme doit faire à la montagne de Dieu, se rester dans cette attitude d'écoute. Parce qu'à la montagne de Dieu, Dieu se révèle. À la montagne de Dieu, Dieu parle. Mais des fois, Dieu nous parle, mais nous ne le saisissons pas. Parce que nos cœurs et nos esprits ne sont pas disposés à saisir la pensée de Dieu. Quand tu prends un temps à part pour vaquer à la prière, alors dispose ton cœur à écouter Dieu, à saisir la pensée de Dieu. À la montagne de Dieu, on reste dans cette attitude d'écoute. Une attitude de réceptivité. Je suis là et j'attends. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Alors je suis attentif à
tout ce qui se passe. Comment les choses se passent. Parce que vous savez ce qui nous bloque. Souvent nous voulons que Dieu nous parle selon que nous déterminons. Nous voulons que Dieu vienne vers nous selon le mécanisme que nous établissons. Ce qui fait que souvent nous passons à côté de ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu choisit de nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est lui qui décide de la manière. C'est lui qui décide de comment. C'est lui qui décide de la méthode. Mais qu'est-ce qui va te permettre de saisir Dieu, peu importe la manière avec laquelle il parle? C'est quand tu demeures dans cette attitude de réceptivité. Mais c'est aussi garder son attention en éveil. C'est garder son esprit ouvert et disposé à écouter. Écoutez-moi bien. Disposé à écouter autre chose que ce que l'on désire entendre. Suis je en train de parler à quelqu'un? Oui, car qu'est-ce qui se passe? Plusieurs viennent à la montagne de Dieu. Plusieurs vont en retraite. Plusieurs se mettent à chercher Dieu en prière. Mais ils ne sont pas disposés à écouter ce que Dieu va leur dire. Mais ils viennent plutôt pour que Dieu entérine, pour que Dieu valide ce que eux ont dans le cœur. Ils ont déjà leur propre choix. Ils ont déjà leurs décisions. Ils ont déjà leurs options. Ils ont déjà ce qu'ils désirent. Et ils viennent attendant que Dieu confirme ce qu'ils ont dans le cœur. Et l'esprit n'est pas disposé à écouter autre chose. Même quand Dieu parle, on veut le renvoyer à ce qu'on veut entendre. Il y a quelques années en arrière, je me retrouve au Maroc. Et au Maroc, il y a beaucoup de clandestins. Parce que c'est à la limite de l'Afrique pour aller en Europe. Et là-bas, on les appelle des clando. Alors, il y avait toute une cité, tout un quartier. Je me rappelle même, ça s'appelle J5. C'est là que vous trouvez des clandestins. Et ils avaient même leur église. L'église de clando. Alors, ils m'ont invité à aller prêcher là-bas. J'ai dit, ok, je vais aller prêcher la parole. Je me suis retrouvé en train de prêcher. Et écoutez ce qui se passe. J'étais en train de parler de l'histoire de Samson. Comment est-ce qu'il a tout perdu, il a perdu sa vie, il a perdu son appel parce qu'il avait délivrer un secret qu'il ne pouvait pas dire. Alors à la fin de la réunion, il y a un des clans qui vient me voir. Il me dit, ah, Pasteur Ken, vous savez ce qui m'est arrivé? J'ai ma soeur en Europe qui m'a envoyé des papiers pour que je les rejoigne. Mais j'en ai parlé à tel et à tel. Pasteur, c'est là qu'il faut. J'ai mal fait. Déjà des papiers, des faux papiers. Pour qu'il voyage. Mais il veut le recadrer dans le sens de ce que lui veut entendre. Et quelques temps avant moi, un autre pasteur avait prêché dans la même église. Et il a parlé de la traversée. Nous allons traverser de l'autre côté. Les clandestins étaient contents. Nous allons traverser la Méditerranée. Nous irons de l'autre côté. Alléluia. Vous voyez? Parce que dans le cœur, on veut entendre ce que l'on désire entendre. Et tout ce que Dieu dit, on l'accommode à
ce que l'on attend. Et ça nous bloque. Quand on vient dans la présence de Dieu, nous devons ouvrir nos cœurs, ouvrir nos esprits. Seigneur, je renonce à mes désirs. Seigneur, je renonce à ma volonté. Ce qui te bloque, tu tiens à faire ce que tu veux faire. Ça ne te permet pas d'écouter Dieu dans ce que Dieu veut que tu fasses. Tellement que tu y tiens, tu vas même faire des rêves dans le sens de ce que tu veux voir. Tu auras des visions dans le sens de ce que tu désires. Mais ça n'aura rien de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, durant cette semaine, ouvre ton esprit, libère-toi. Mitika, oublie tes désirs. Oublie tes attentes. C'est un temps où nous nous jetons à ses pieds. Père, je suis disposé à faire ce que tu vas me demander de faire. Je suis disposé à aller là où tu me demanderas d'aller. Je suis disposé à être ce que tu me diras d'être. Je l'ai déjà eu à le dire ici une fois. Écoutez, bien-aimé, Dieu ne nous demande pas toujours des choses qui nous plaisent. Oh, Église, Ecclesia, je prie que Dieu nous amène à la maturité. Le Seigneur regarde Pierre et lui dit, Pierre, quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais, quand tu voulais. Mais quand tu seras grand, quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. Quelqu'un d'autre te ceindra. Quelqu'un d'autre t'habillera. Et te demandera d'aller. Écoutez ce que Jésus lui dit. Il te demandera d'aller là où tu ne voudras pas aller. Dieu ne nous demande pas toujours des choses qui nous confortent. Et des fois, le Seigneur le fait exprès. Ça ne lui coûte rien d'accomplir les désirs de ton cœur. Ça ne va pas les diminuer. Ça ne va pas enlever une dose de sa divinité. Non, ça ne va rien changer à sa grandeur. Il restera Dieu. Mais pourquoi des fois le Seigneur bloque? Parce que le Seigneur ne cherche pas des automates. Il cherche des hommes et des femmes qui délibérément, volontairement, vont faire le choix d'oublier leurs choix et leurs décisions et d'accepter la pensée de Dieu. Si le Fils de l'homme est passé par là, nous passerons par là. Rappelez-vous de Gethsemane. Gethsemane. Il dit, Père, bien aimé, je l'ai lu dans le livre de Matthieu, c'est à deux reprises qu'il a répété. La première fois, il dit, Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Et puis il dit, non, pas ma volonté, mais la tienne. Et quelques versets plus tard, il revient sur la même chose. Père, s'il est possible, le Fils de l'homme, le Messie, était en train de se battre avec sa volonté contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu contre sa volonté. Et plus il se battait, plus ce n'était pas évident. Jusqu'au moment où il se dit, j'abdique, je renonce, pas ma volonté, mais ta volonté. Aujourd'hui encore, Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qui pourront être prêts à renoncer à eux-mêmes, à renoncer à leur volonté, à renoncer à leurs ambitions, à renoncer à leurs désirs. Et accepter la
pensée de Dieu. Même quand ça fait mal. C'est là que les adorateurs cherchent, les adorateurs que le Père cherche. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Oui. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore sur le peuple. La lumière ne jaillira pas sur le peuple. Car seule la vérité affranchit. Seule la vérité libère. Écoutez, cher bien-aimé, nous sommes dans un temps où nous devons ramener le peuple de Dieu aux valeurs éternelles, aux valeurs qui vont nous accompagner dans le royaume du Père. L'heure est arrivée où l'Église doit se détacher de choses éphémères pour s'attacher aux choses éternelles. Mes désirs, mes ambitions, mes volontés sont passagers. La pensée de Dieu dure éternellement. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Et quand on monte sur la montagne de l'Éternel, c'est là que l'on apprend à s'oublier soi-même. C'est là que l'on apprend à renoncer à soi-même. C'est là que l'on apprend à oublier ses désirs et ses ambitions. Père, que dis-tu de moi? Tata, que veux-tu de moi? Dis-le-moi, Seigneur. Je prie que cette semaine, que Dieu se révèle à quelqu'un et qui te révèle sa volonté. Ésaïe 30:21, la Bible dit: tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y. À la montagne de Dieu, Dieu nous révèle sa volonté. Dieu nous révèle sa pensée. Dieu nous révèle ses désirs. Et le prophète dit: tu entendras une voix qui te dira: voici le chemin. Pendant ce temps, Dieu va te montrer ses voies. Dieu va te montrer ses chemins. Il attend que tu libères ton esprit et que tu acceptes ce qu'il te dit de faire. C'est là que se trouve ta récompense. C'est là que se trouve la provision de ta destinée. C'est là que Dieu t'attend. C'est là que Dieu te bénira. Frère, que ta chair ne te trompe pas. Que ton intelligence ne te trompe pas. Dieu sait là où il a placé l'exaucement de tes prières. C'est pour ça qu'à sa montagne, quand tu le cherches, il te montre le chemin de ta provision. Les choses que tu demandes ne passent pas par là. Voici les chemins. C'est par là que tu les atteindras. Mais dans notre ignorance, nous obstinons. Nous nous battons. Nous résistons. Nous voulons à la fois une chose et son contraire. C'est ce que tu me demandes. C'est là que je les ai placés. Et voici le chemin qui t'y amène. Mais tu persistes à t'éloigner des desseins de Dieu dans ta vie, des plans de Dieu pour toi. Tu t'en éloignes. Si tu savais
Comme le Christ pouvait le dire. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, les choses qui appartiennent à ton salut, si seulement tu pouvais le connaître. Et à la montagne, Nangomba, il nous façonne. Ye abongi sakabiso, il nous brise. Abuka kabiso. Voilà pourquoi j'aimerais te dire. Yangona nebisayo. Si tu t'engages à chercher Dieu. Sokomi kotisi na kolukanza. Si tu t'engages à monter sur la sainte montagne de Dieu. Omi kotisi na kobuta Nangombe santu na Nzambe. Alors vas-y avec ton cœur. N'y va pas à moitié. Parce que sur sa sainte montagne, Dieu est sérieux. Le Seigneur ne va pas traiter avec ton apparence. Dieu ne va pas traiter avec ton extérieur. J'ai envie de le dire en anglais. God will deal with your heart. Dieu va traiter avec ton cœur. Oui, Dieu va avoir affaire avec ton cœur. Dieu va avoir affaire avec ton être intérieur. Dieu va avoir affaire avec ton vrai toi. Ce vrai toi que même toi-même tu ignores de foi. Dieu y a solo sur sa sainte montagne. Dieu nous déchire dans notre extérieur. Pour ressortir le vrai nous qu'il a placé en nous. Quand tu y montes, sache que Dieu est sérieux. Il va toucher le vrai problème. Voilà pourquoi quand tu demandes si à Dieu, Dieu te parle de ça. Pasteur Ken, j'ai prié, mais Dieu ne m'a rien dit du tout de tout ce que je lui ai demandé. Il me parle d'autre chose. Oui, les choses dont Dieu te parle, c'est là que se trouve le vrai problème. Voilà pourquoi cette semaine sur sa sainte montagne, sois attentif. N'attends pas forcément que Dieu te dise, te parle par rapport aux choses que tu lui demandes. Je vous ai raconté ce témoignage ici un jour. Je priais à la maison. J'étais encore chez les parents à l'époque. Je priais. Mais je sentais dans mon cœur qu'il y a des choses quand je le demandais à Dieu. J'avais comme l'impression que l'esprit bougeait dans le sens opposé. Comme tout d'un coup, je perdais une quiétude, une aisance. Ce n'était plus ça. Mais quand je demandais autre chose, je sentais la paix, je sentais l'accord de l'esprit dans mon cœur. Et c'est là que le Seigneur me dira. Il m'a donné clairement un passage. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert. Et c'est là où il est écrit. Vous ne savez pas ce qui vous convient de demander dans vos prières. Des fois, nous pensons savoir ce que nous voulons. Mais nous ne connaissons pas les plans de Dieu pour nous. Car autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont différentes de nôtres. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui a plus de prix pour toi? Que tu t'obstines à tes petites pensées? Ou plutôt que tu acceptes de les lâcher? Et de te diriger dans le sens de dessein de Dieu pour ta vie? Dis-moi, qu'est-ce que tu choisis? Perdre ton temps dans de petites affaires? Ou accepter de vite renoncer et te rendre disponible à la pensée et à la volonté de Dieu. Sur la montagne de Dieu, j'ai envie de le dire et de le redire. God will deal with your heart.
autre version de ce même passage d'Ésaïe dit ceci. Tu entendras derrière toi ces paroles. Voici le chemin que tu dois prendre pour aller à droite ou à gauche. Seigneur dit ceci. Alors tu entendras dire derrière toi. C'est ici le chemin. Suis-le. Là, va à droite. Là, va à gauche. Dieu nous oriente sur sa sainte montagne. Mais au niveau où tu es arrivé, il faut que tu ailles à gauche. Et puis là, Non, ici c'est à droite. Et si tu obéis à la voix de Dieu, tu te rendras compte que plus rapidement et plus vite tu arriveras à l'accomplissement de destinée de Dieu pour ta vie. Que si tu t'entêtes, vous savez pourquoi Israël a fait plusieurs années dans le désert? C'est parce qu'il n'était pas prêt. Et ça pour abonger ça m'a quitté. À écouter la pensée de Dieu. Y'a quoi y'a qu'à l'icanisme ensemble. Alors tu as le choix, mon frère. Osana continue à copona. Soit tu fais confiance en ta sagesse. To oteli boanya na yo motema. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nasana sangomala mupona yo. Et tiens bon, parce que tu as encore 40 ans devant toi. Simba makasi posa na mambula tukumine ilibosso na yo. Mais si tu acceptes, kasi sokondimi de lâcher. Et de te soumettre à ce que Dieu te dit que tu refuses d'entendre. Voilà pourquoi tu as du mal à monter sur la montagne de Dieu. Même quand tu feins d'y être, mais c'est faux. Ton cœur n'y est pas. Parce que tu sais, si je rencontre Dieu, il va me dire ces choses-là. Et je ne veux pas l'entendre. Alors tu vas faire beaucoup de comédies. Vous savez qu'il y a des prières qui sont des comédies. Il prie, gesticule, il fait beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes. Mais son cœur n'y est pas. Le cœur n'y est pas. À la montagne de Dieu, sois attentif, parce que le Seigneur va te montrer l'image de ce qu'il désire pour toi. Nous sommes dans Exode 25:9. Il dit à Moïse, vous ferez le tabernacle, tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Exode 25:40, il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Français courant dit, toi Moïse, tu veilleras à ce que le travail soit conforme au modèle que je te montre ici sur la montagne. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, sur cette montagne, Dieu va te montrer un modèle. Le modèle de ce qu'il attend pour ton ministère. Le modèle de ce qu'il attend pour ton mariage. Le modèle de ce qu'il attend pour ta vie. Le modèle de ce qu'il attend pour tes affaires. Dans tous les domaines de ta vie, il y a un modèle, il y a une vision de Dieu qu'il désire pour toi. Et si tu ouvres ton esprit, Dieu va te le montrer. Et l'avantage dans l'obéissance au modèle de Dieu, c'est lequel? Quand Moïse termine de construire le tabernacle selon le modèle dans le détail, la Bible déclare, la Shekinah de Dieu est descendue. Et la gloire de Dieu était si grande et si forte que même les sacrificateurs étaient incapables de faire l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu. Parce que Dieu avait pris la possession de sa maison. Et tous les sacrificateurs sont sortis. Et
tout ce qui est homme, tout ce qui est humain, était obligé de sortir. Parce que le maître de la maison avait pris contrôle de sa maison. Il arrivera un temps où Dieu lui-même va descendre prendre le contrôle de tes affaires. Il va descendre prendre le contrôle de ton ministère. Et quand tu te tiendras dans le service, sa gloire sera manifeste. Dans ton foyer, sa gloire sera manifeste. Dans tes projets, dans tes entreprises, sa gloire sera manifeste. Ça sera si évident que tout le monde pourra voir. Quand il y a le doigt de Dieu dans ta vie, il y a la main de Dieu sur toi, il y a la faveur de Dieu qui t'accompagne. Pourquoi? Parce que tu t'es conformé au modèle de Dieu qui te montre sur sa sainte montagne. Pasteur Trésor, je dis à Dieu, je ne veux pas te servir dans le minimum. Ou soit tu m'appelles et nous y allons à fond, ou soit on laisse tomber. Mais je ne veux pas de demi-mesure. Dis-moi, pourquoi je vais répondre à l'appel de Dieu pour être dans la moyenne? Pourquoi je vais épouser une femme pour ne pas vivre pleinement le mariage? Pourquoi je vais entrer dans une entreprise pour ne pas en jouir pleinement? Pourquoi? Père, ou soit c'est le maximum, ou soit c'est rien du tout. Je ne me permettrai pas de me contenter de demi-mesures. Je ne suis pas de la race de ceux qui se contentent. C'est miettes qui tombe de la table du roi. Soit je suis un fils de roi, alors je me mets à la table avec lui. Soit je ne le suis pas. Or je sais que je le suis. Je dis, Père, je veux la part de prince. Je veux partager le butin avec le grain. Je ne me contenterai pas de miettes. Ken, tu peux ne pas vouloir des miettes. Mais c'est pas moi qui les détermine. C'est toi qui les détermine. Comment, Père? Je te montre le modèle. Si tu te conformes au modèle, tu partageras le butin avec le grand. Mais si tu t'obstines à faire selon les désirs de ton cœur, tu verras ces choses. Tu les salueras les loin. Mais tu ne les toucheras pas. Père, tata, s'il te plaît, la bonne li, premièrement, ya li boso, je te supplie, la bonne li yo, montre-moi le modèle. Tali sanganda kisa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Olingi na sala nini? Je ne supporterai pas na kondima kate, rendre mon dernier souffle na songi sa pema nanga, avec le sentiment na ba posa, de l'inachevé. Ya ona silisa makambote. Que je vive Nabika, comme n'ayant pas vécu le quoi mutu abika na été, loin des desseins de Dieu. Mosika na mabongisi ya Nzambe, je ne supporterai pas. Nakondi mangote, qu'est-ce que je vais dire devant le roi? Nakoloba nini liboso nkumu, quand je me tiendrai devant lui, tango na côté le maliboso na ye, quand il me demandera des comptes sur le ministère, tango ko senga ngai makabo na sala pona, qu'est-ce que je veux lui dire? Quand il me demandera le compte sur mon mariage, qu'est-ce que je vais lui dire? Seigneur, je n'ai pas épousé l'homme que tu m'avais dit, parce qu'en fait, voilà, c'était la beauté de l'autre qui m'avait attiré. Je ne veux pas donner de telles explications à Dieu. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé qui n'aura pas à rougir. Je ne veux pas rougir devant Dieu. Je veux être en paix. Je voudrais entendre ces belles paroles. Oh Dieu. Pasteur Olivier, je voudrais l'entendre me dire, Ken, entre dans la joie de ton père. Oh, fidèle serviteur.
entre en possession de ce qui t'a été réservé depuis la nuit de temps. Reçois tes couronnes. Dieu était fidèle. Voilà pourquoi nous sommes venus à la montagne de Dieu afin de le supplier de nous montrer le modèle. Le modèle. Seigneur, cette entreprise que tu veux que je construise, où sont les plans? Ce ministère, Seigneur, le genre de relation que tu veux que j'aie avec toi. Père, où est le modèle? Montre-moi le modèle. Alors là, Dieu me dit, tu veux que je te montre le modèle? Alors monte. Bouta. Come on. Bouta. Monte. Yaka. Je vais te montrer le modèle. De là où tu es. Et si Kozali, tu ne peux le voir. Okoki komo nangote. Monte. Mata. Français courant dit. Français pété lobby. Conforme au modèle. Koki sama nandakisa. Que je te montre ici. Onaso teliso awa. Au sommet. Na suka. De la montagne. Yangomba. Alors pourquoi? Nous avons besoin d'être attentifs. Premièrement, Dieu veut se révéler à toi dans une autre dimension. Frère, tu ne connais pas le Seigneur. Je ne connais pas encore le Seigneur. Ce qu'il désire me montrer, je ne l'ai pas encore vu. Il désire tellement se révéler. Mais de là où je suis, il ne peut pas. Le texte que nous allons lire tout à l'heure, ce texte, mais écoutez ça. Le jour où le Seigneur voulait que Pierre, Jacques et André, si je ne m'abuse, qu'ils les connaissent dans une autre dimension, qu'ils les voient sous sa nature céleste, dans la transfiguration, il ne les a pas laissés sur place. Il leur a dit, les gars, allons au sommet de la montagne. C'est quand ils se retrouvent là qui se transfigure. Abongwanaki. La transfiguration, tu ne la verras pas si tu n'apprends pas à aimer la montagne de Dieu. Ceux qui sont restés en bas, ils ont entendu parler de la transfiguration, même des jours après. Mais ils n'avaient jamais vécu la transfiguration. Ils ont entendu parler du témoignage, mais ils n'ont jamais témoigné. Ce qui va marquer la différence, ou ce qui marque la différence entre ceux qui parlent et ceux qui entendent parler, entre ceux qui témoignent et ceux qui entendent les témoignages, c'est la montagne. C'est la montagne. Et Zangomba. Tu veux être de ceux qui témoignent ou de ceux qui entendent le témoignage. Exode 3, 1 à 2. 5 à 6. Et puis 14. La Bible déclare, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de manioc. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. L'ange de l'Éternel lui apparut. Moïse
regarda. Mose a côté là. Et voici. Le buisson était tout en feu. Et ne se consumait point. Au verset 5e, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes pieds, ôte tes sandales de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Écoutez ceci. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage. Il craignait le regard de Dieu. Au verset 14e, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Azali. Je suis Yahweh. Azali Yahweh. Le créateur de toutes choses. Mokeli na nyoso. Celui qui ne se limite par rien du tout. Oyo ya asuka kana elo kote. Je suis celui qui suis. Nazali oyo azali. Autrement dit, lolenge mususu. Je suis celui qui doit être. Nazali oyo sengeli azala. Je suis celui qui était. Nazali oya salaki, celui qui est, oya sali, celui qui vient, oya koya, celui qui devient, oya akosala. C'est que tu veux que je sois, oyo linginga nazala. Je le suis. Nazayango. Cette puissante révélation. Nguya wana ya emoniseli. Moïse l'a eu. Mose azwaki yango au sommet de la montagne d'Horeb. Nasuka ya ngomba ya Horeb. Je soupire connaître Dieu dans une autre dimension. Tu soupires connaître Dieu comme jamais avant. Dis-moi, c'est quoi ta plus grande soif? C'est quoi ta plus grande ambition? C'est quoi ton objectif? C'est quoi qui brûle dans ton cœur? Les genres de choses pour lesquelles tu peux dire avant que je ne meure, je dois voir ça, je dois atteindre ça. Dis-le-moi, ce que je désire, c'est de connaître Dieu comme jamais avant. Seigneur, tire le voile. Laisse-toi découvrir. Je veux te connaître tel que tu es. Je veux avoir la révélation de toi. Père, je ne veux pas rester dans les choses que tu m'as montrées hier. Car tu es le Dieu aux multiples facettes. Alors donne-moi une nouvelle révélation de toi. Père, révèle-toi autrement. Je veux te connaître autrement. Père, Tata, autrement, une autre dimension, dans mon intimité avec toi, dans ma relation avec toi, de connaître autrement, de vivre autrement, d'expérimenter autrement. C'est ce que tu veux? Alors viens. Au sommet de la montagne, je me laisserai voir. Tu me verras tel que je suis. Tu me verras. Si tu le désires, je me laisserai voir. Car je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. N'est-il pas celui qui a dit, cherchez-moi pendant que je me trouve. Nous sommes arrivés à la fin de temps. Bientôt, il reviendra chercher son église.
Alors il n'a plus rien à cacher. Tout ce qui a été prévu pour notre temps, pour la vie de l'église ici-bas, il est prêt à se révéler, à le dévoiler. Pas n'importe où, au sommet de la montagne. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui soupire après Dieu? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui désire Dieu? Qui veut Dieu? Qui veut Dieu? Je veux Dieu. Quelqu'un qui désire connaître Dieu autrement. Autrement. Alors qui prie? Abondela. Qui prie? Abondela. Qui prie? Qui prie avec son cœur? Abondela la motema na